À toutes et à tous, je vous envoie de suite sur le groupe WhatsApp dédié le cahier de l'initié qui va nous servir de base pour le travail à faire. Vous allez remarquer que dans les invocations que j'ai envoyées selon les jours de naissance, il y a une très grande différence entre les invocations avec lesquelles nous avions l'habitude de travailler jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que j'ai opté pour pour ce mot d'invocation, parce que maintenant, je tends à attirer votre attention sur vous-même et non sur les divinités. Donc, dans ces invocations que je vous envoie, il y a le nom d'aucune divinité. Parce que le travail sur la divinité finit par extérioriser la force que nous avons en nous. C'est bien de connaître, mais ce ne sont que des béquilles et après ça, il faut dépasser cet état de fait pour pouvoir entrer et puis communier avec la force divine qui est en soi. Donc, dans les invocations que j'ai envoyées, selon le jour de naissance de chacun, vous avez une invocation spécifique qui correspond à la force activée en vous pour cette incarnation précise. Je vous ai dit que le travail va consister à trois étapes. Il y a d'abord un premier travail qui va consister à la pratique avec les sons. Il y a trois lignes de sons qui se feront en 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, donc qui fait 30 minutes. Et après, il y aura des invocations que vous allez faire. Vous allez faire sept fois l'invocation qui correspond à votre jour de naissance. Et après, il y a une méditation que je vais vous envoyer, une méditation de groupe pour essayer de reprendre la lumière sur le monde entier. Okay? Donc, on va commencer, comme ici, il s'agit d'un travail pratique. On va commencer par faire cette pratique-là. Au niveau des sons.